Bonjour, nous recevons une nouvelle fois Olivier Labbé. Mais alors, Olivier, aujourd'hui, le plaisir est bien particulier parce qu'on a l'habitude de te recevoir pour parler du marché, en particulier du marché africain. Et puis là, pour une fois, on va parler un peu plus de toi. Et ça nous fait énormément plaisir puisqu'on sait que tu es un acteur quand même incontournable et reconnu du milieu du data center. Explique-nous, que se passe-t-il aujourd'hui? Alors bonjour Yves. Alors ce qui se passe, c'est que après 9 ans de collaboration avec Cap Ingelec, et c'est tout à fait normal, des stratégies évoluent et donc on a décidé depuis quelques mois avec Mathieu Calès de travailler à une restructuration de CapDC, qui était la joint venture que nous avions créée. Alors j'avais créé avec Jean-Paul Calès, le père de Mathieu, en 2015. CapDC à l'époque avait pour objectif de déployer l'activité data center de Cap Ingelec à l'étranger. Et ça a été, on va dire, un couronné de succès parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires à l'étranger de Cap Ingelec est très significatif, en particulier en Europe. Tout ceci correspond à une belle progression pour Cap Ingelec, mais deux éléments font que ce n'est plus tout à fait en ligne avec la stratégie de l'entreprise. D'abord, Cap Ingelec ne souhaite plus faire exclusivement du data center. Alors, déjà en 2015, c'était le cas, mais à l'époque, clairement, le data center comptait pour 70-75% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Cap Ingelec souhaite se déployer dans d'autres types de bâtiments critiques et le marché est là. Hein. Il y a beaucoup de réindustrialisation en France, donc des usines très critiques, des laboratoires. Et donc, CapDC, comme son nom l'indique, qui était dédié au data center, était un petit peu à l'étroit pour déployer à l'étranger ses activités complémentaires au data center. Et le deuxième élément, c'est que la stratégie en 9 ans également a évolué et aujourd'hui, Cap Ingelec souhaite faire de manière exclusive de l'EPC, Engineering Procurement Contractor. Ça signifie faire de l'ingénierie pour construire en s'engageant sur l'ingénierie qui a été déployée. C'est-à-dire plus d'ingénierie seule. Et donc, c'était quelque chose qui était également un peu compliqué parce que le modèle de CapDC consistait en des joint ventures ou des partenariats avec d'autres entreprises. Et toutes les entreprises en Europe qui sont les partenaires de Cap Ingelec au sein de CapDC n'étaient pas contre l'EPC, mais n'étaient pas non plus 100% autour de l'EPC uniquement. Et certains étaient toujours en train de vouloir faire de l'ingénierie ou d'autres activités autour du data center. Donc les deux raisons, le fait d'avoir la capacité à déployer la stratégie de Cap Ingelec au-delà du data center et celle de vouloir aujourd'hui strictement flécher toute activité sur le PC ont fait qu'il était de plus en plus difficile de continuer à manager CapDC en l'état. Et donc, depuis quelques mois, nous avons travaillé en toute sérénité avec Mathieu pour voir comment on faisait évoluer, restructurer ce système. Et donc, il a été décidé, et c'est donc l'objet de cette annonce, que les activités européennes de CapDC était transmise à Cap Ingelec. Donc, je vends les parts de CapDC en Europe à Cap Ingelec. Donc, CapDC España, par exemple, devient Cap Ingelec Spain. Donc, toutes les entités qui avaient été développées sous CapDC en Europe sont désormais Cap Ingelec, ce qui va permettre à Cap Ingelec de déployer l'ensemble de son portefeuille à l'étranger en utilisant la tête de pont qu'a opéré CapDC et qui aujourd'hui lui permet d'être déjà établi et lancé dans ses différents marchés. Donc ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est que on s'est rendu compte, en fait, quand on a décidé en 2015 de créer CapDC, on a eu un débat où va-t-on faire ce déploiement à l'étranger, et on est tombé d'accord pour aller plutôt en Europe du Sud, parce que certes, les gros marchés étaient au nord, l'Allemagne, la Hollande, etc., mais on s'était dit, peut-être qu'on nous attend, et c'était vraiment, je pense, la bonne décision. On nous attend plutôt au sud, là où le monde anglo-saxon, l'écosystème anglo-saxon est moins développé. C'est ce qui s'est passé. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'on était très souvent sollicité par cette industrie qui est très majoritairement anglo-saxonne pour les aider avant même le projet lui-même. Typiquement, enfin, je vais prendre un cas d'école, si un Londonien souhaite aller en Grèce, il n'a aucune idée de ce qu'est le PLU grec, il n'a aucune idée de ce qu'est le fournisseur d'énergie en Grèce. Pour tout dire, il ne parle pas le grec, et même pour tout dire, il ne sait même pas lire l'alphabet grec. Donc, il est très, très en situation inconfortable et il a besoin d'équipes techniques,
pour l'aider à valider si un terrain peut accueillir un data center, si la puissance électrique sera disponible, si le terrain va pouvoir rentrer dans les normes de l'urbanisme local, etc., etc. Donc, toute cette activité de conseil, parce qu'on est plus dans du conseil technique que dans de l'ingénierie, en amont, on en a fait 80 sous la marque CapDC, et on s'est dit, c'est une activité qui peut correspondre à véritablement un modèle économique en soi. Et donc, la deuxième annonce, c'est que nous créons une spin-off de CapDC qui s'appelle ViaDC, donc très proche de CapDC comme nom, et dont l'objectif sera d'accompagner tous les acteurs. On va démarrer par la même implantation géographique, c'est-à-dire qu'on a 10 implantations en Europe du Sud prêtes à accompagner les investisseurs en data center, et ça répond à véritablement un besoin du marché actuel. Cela pour deux raisons. D'abord parce qu'on se rend compte dans les organisations des opérateurs data center, des investisseurs data center, il y a de plus en plus une organisation développement et une organisation construction qui sont assez séparées, avec des missions différentes. L'organisation développement ou growth, enfin, ils ont des noms un peu différents, a pour objectif de rechercher des acquisitions, des déploiements dans des nouvelles villes, etc. Éventuellement, donc, d'acheter des terrains, d'acheter des data centers existants. Et la phase ensuite de construction est donnée à d'autres types d'équipes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est être au plus proche de la première organisation. Et ce, de manière la plus neutre possible, puisque ViaDC, quelque part, s'arrêtera, son activité s'arrêtera à la phase construction. Donc, que le projet se fasse ou ne se fasse pas, nous, on délivre notre mission. Si on doit conseiller à notre client, bah, finalement, plutôt no go sur ce terrain, on le fait sans aucune hésitation, parce que de toute façon, on n'a rien à faire après. Voilà. Et il y a un deuxième aspect qui est intéressant et qu'on voit arriver depuis 2, 3, 4 ans, c'est que ce marché du data center est en pleine explosion et beaucoup, beaucoup d'acteurs rentrent pour développer des sites, développer des terrains. Alors, ça peut venir de, je ne vais pas donner trop de noms, mais ça peut venir d'acteurs de la logistique qui l'ont déjà fait d'ailleurs en dehors de la France. Ça peut venir de sociétés de real estate, enfin des acteurs qui font de la promotion ou du développement ou de la foncière immobilière. Et tous ces acteurs ont bien vu qu'il fallait cocher la case data center. Donc, on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont dans une phase de développement pour, parce que ce ne sont pas des colocateurs, pour à un moment, quand le projet atteindra une certaine maturité, le vendre à des preneurs, des investisseurs. Donc, ces deux acteurs peuvent être des clients de ViaDC. Et là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir cette entité autonome. C'est que si on conseille, par exemple, un développeur pour le vendre ou l'aider à construire une description très propre et très technique de son potentiel sur un site, quelque part, on se met du côté du vendeur. Et donc, on ne se mettra pas du côté de l'acheteur. Or, le projet de data center, c'est l'acheteur qui, à un moment, va le manager. Donc, faire cette activité sous CapDC, sous CapIngelec, ça pouvait parfois poser des problèmes. Là, ViaDC sera complètement autonome, indépendant, neutre. On peut travailler pour le vendeur, on peut travailler pour l'acheteur, alors pas en même temps, bien sûr. On peut travailler pour un premier acheteur, s'il fait no-go, on peut travailler pour un deuxième acheteur. On est vraiment dans une situation à pouvoir délivrer du conseil technique et j'ai l'impression que cette brique n'existe pas de manière autonome. Certains acteurs en font un petit peu en même temps que d'autres activités, mais cette situation de conseil pur et uniquement sur cette phase avant le projet, c'est quelque chose que je trouve assez unique. J'ai passé toute l'année 2023 à demander aux acteurs ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont dit que c'est une brique qui manque aujourd'hui à notre marché. Donc voilà, j'ai le plaisir de cofonder avec certains acteurs ViaDC pour pouvoir répondre à cette demande. Alors, troisième activité, on va en parler tout de suite, c'est-à-dire que tu conserves quand même tes antécédents africains, on va le présenter comme ça, et donc tu crées une troisième activité autour de CapDC Afrique. Voilà, alors ça ne va pas être une création parce que les sociétés africaines vont rester en l'état et continuer à vivre. Ça provient une nouvelle fois de la restructuration que nous avons mis en place avec CapIngelec. CapIngelec a énormément d'activités actuellement et n'a plus l'énergie, parce qu'il en faut,
pour poursuivre au-delà de son développement en Europe la partie africaine. Donc, je suis parti à la recherche d'un nouvel acteur pour m'accompagner dans ce déploiement, parce qu'en fait, le retour que j'ai que je peux donner de CapDC en Afrique, c'est que le modèle est parfait. Notre modèle, ça consiste à avoir des sociétés en Afrique avec des ingénieurs africains et de se faire épauler, de se faire conseiller par une expertise européenne. Eu égard à la maturité des marchés, c'est clair que jamais en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, on a pu voir des projets de 10, 20, 30 mégawatts, alors que des ingénieries européennes ont pu se confronter à ce genre de projet. Donc, on ne peut pas être et avoir été. Et cette association d'ingénierie africaine qui ont du talent, mais qui manque d'expérience, avec la capacité à, jusqu'à présent, un Cap Ingélec, de venir amener son expertise, son expérience, c'est un modèle auquel je crois. Et j'y crois beaucoup plus que d'autres modèles qu'on peut avoir d'acteurs qui travaillent aussi en Afrique, mais par exemple en ayant simplement un apport depuis la France ou depuis d'autres pays, Angleterre par exemple, pour la partie Afrique anglophone. Donc je conserve ce modèle, ce n'est pas une création, simplement je crée une nouvelle société qui va acheter à CapDC Holding les parts des sociétés africaines. Donc cette société va s'appeler Blue Sun Africa. Je vais expliquer pourquoi elle s'appelle Blue Sun, puisque en fait, donc depuis quelques mois, j'ai échangé avec les acteurs européens pour voir qui était intéressé à reprendre le rôle de Cap Ingélec sur le continent africain. Et en fait, après mes rencontres, ça ne sera pas une, mais deux ingénieries. Donc, ces deux ingénieries, je commence par celle qui est la plus connue en France, c'est Critical Building, qui est une des sociétés d'ingénierie spécialisée dans le data center que tout le monde connaît, qui a d'ailleurs un historique en Afrique. Critical Building a fait déjà quelques missions il y a même fort longtemps en Afrique. Et donc, on va dire, de manière assez basique, Critical Building va reprendre le rôle de Cap Ingélec sur l'apport en zone francophone d'une société qui a déjà travaillé avec des grands cloud providers, des grands colocateurs, etc. Et il y a une deuxième ingénierie qui s'est montrée très intéressée et qui m'a beaucoup intéressé, c'est Blue Sun. Blue Sun est notre partenaire en Grèce, donc ex-partenaire CapDC, futur partenaire ViaDC, et aussi le partenaire qui va travailler avec nous sur l'Afrique. Alors Blue Sun amène différentes choses. Donc certes, le marché aujourd'hui en Grèce, à Chypre, où est établi Blue Sun, est encore plus petit, pas forcément pour très longtemps, parce que la Grèce est un marché en plus que devenir. Donc, leur expérience en data center est réelle, mais sur des data centers un peu plus petits que ce que, par exemple, Critical Building a pu travailler. En revanche, ils amènent deux choses très intéressantes. Ils ont une compétence en maintenance technique de data center, qui était quelque chose qui nous était beaucoup demandé sur le continent africain, c'est-à-dire après la construction, comment vous nous aidez à l'exploiter. Donc, on ne sera pas exploitant, mais déjà, cette brique de maintenance technique de data center est quelque chose qui va répondre à une demande qu'on ne savait pas fournir jusqu'à présent. Et deuxièmement, là, c'est une question de géographie. La France est en face du Maroc et de l'Algérie, et la Grèce est en face de l'Égypte, et Blue Sun a déjà une filiale en Égypte. Donc, Blue Sun DC, on avait 4 filiales avec CapDC, demain, on aura 5 filiales, donc majoritairement en Afrique francophone, plus, ça je l'avais déjà sous CapDC, le Ghana Nigeria, qui est Nigeria qui fait 200 millions d'habitants, donc c'est un monstre anglophone en Afrique de l'Ouest, et donc l'Égypte qui fait un peu plus de 100 millions d'habitants. Tout à fait, et l'Égypte qui fait partie des futurs hubs africains. Ah, tout à fait, donc stratégiquement, alors l'Égypte n'est pas francophone, elle est francophile par contre, j'avais eu pas mal de contacts déjà dans le passé. Je pense qu'en tant que société d'obédience française, on va dire, enfin franco-grecque maintenant, on aura un très bon accueil en Égypte. Alors, revenons un petit peu sur toi, Olivier. On va commencer par reparler de ViaDC. Tu vas donc être président de ViaDC, c'est bien ça? Oui. Donc, j'ai bien compris l'activité de conseil. Est-ce que c'est une reprise de ce qui était précédemment CapDC, c'est-à-dire sur le sud de l'Europe, ou est-ce que par rapport à Cap Ingélec qui adopte un positionnement un peu différent, est-ce que tu vas reprendre le conseil sur l'ensemble de la couverture européenne
et africaine de ex-Cap d'Essai? Alors, c'est une très bonne question. On va commencer, bon, ça fait beaucoup de choses à gérer, donc on va commencer par reprendre la couverture européenne qu'avait CapDC. Donc on est présent dans une dizaine de locations en Europe et on peut couvrir, si on fait un trait horizontal au niveau de la France, tout ce qui est en bas de ce trait. Et donc cette activité de conseil, on va l'opérer, on peut l'opérer immédiatement dans le sud de l'Europe. La question de savoir est-ce qu'on ira au nord ensuite, peut-être, en sachant que, pour reprendre un peu la stratégie initiale de CapDC, au nord, je ne pense pas que je créerais en Hollande ou en Allemagne et encore moins en Angleterre, puisque cette industrie qui est majoritairement anglo-saxonne ne m'attend pas à cet endroit-là. Après, il y a peut-être quelques endroits où je ne suis pas encore, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne, effectivement, qui sont des endroits où on a de la demande data center. Donc, je ne m'interdis pas, ce n'est pas l'urgence du moment. Par contre, dès à présent, voilà, on part lancer. On avait des contrats cadres sous CapDC avec certains colocataires qui avaient apprécié de travailler avec nous sur un établissement dans un pays. Et pour certains, je ne vais pas donner le nom, mais ils ont déjà travaillé avec nous dans 5 pays différents en Europe. Donc, bien évidemment, ils peuvent d'emblée travailler avec ViaDC. D'ailleurs, ViaDC a été créé en février. On avait déjà 3 commandes entre le 1er janvier, qui était la date du go informel de cette bascule, et fin février. Donc, on part lancer sur cette activité de conseil, qui est une activité qui est en dehors du portefeuille d'offres directes de Capingélec. Alors, une autre question sur par rapport à l'offre. Est-ce que la stratégie restera sur des acteurs plutôt importants de la colocation, ou est-ce que, sachant que tu en as déjà l'expérience, on le voit sur l'Afrique, est-ce que enfin, ViaDC va également attaquer les marchés plutôt tournés vers le edge, vers ce type d'infrastructure? Bah, on ne s'interdit rien. C'est quand on crée une société, tu as une idée, tu as une stratégie. Alors là, on part dans les deux sociétés d'ailleurs, on part lancer. Mais bien évidemment, le Edge, pour moi, c'est un marché qui va arriver. Alors, j'ai souvent des questions. Enfin, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Mais c'est inéluctable. Je ne vois pas pourquoi les recherches autour du Edge seraient différentes. Alors, elles seront sur des actifs plus petits. Mais ça restera quelque part le même genre de qualification technique. Il y a 2, 3 ans, on avait fait au sein de Capingélec une association avec CBRE dans le domaine du Edge pour mixer les compétences de recherche foncière de CBRE avec les compétences techniques de qualification. Donc il y aura forcément des opportunités et je ne vois pas pourquoi ViaDC n'irait pas dans le Edge. Donc la réponse est sans doute. Mais une nouvelle fois, aujourd'hui, on est plutôt dans de la recherche quand il s'agit donc de la partie investisseur sur du gros data center. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de recherches de niveau data center régional. Oui. Et dans le même temps, tu nous faisais la remarque tout à l'heure, il y a des demandes en termes d'immobilier, d'opportunités. Est-ce que c'est un rôle de conseil qui va se multiplier également? On sait que, par exemple, si quelqu'un est porteur d'un projet aujourd'hui, quel qu'il soit, il est automatiquement sollicité par des sociétés extérieures qui vont s'intéresser à son terrain, à son projet, à sa capacité. Donc, j'imagine que là, il y a un rôle d'intermédiaire important qui va être à jouer. Alors d'intermédiaire, mais une nouvelle fois, on n'est pas broker, donc on est plutôt intermédiaire au sens technique, parce que autant, donc déjà, je trouve qu'on constate, et ce n'était pas forcément le cas il y a 3-4 ans, que les deux offres se rencontrent. C'est-à-dire que comme c'est un marché vraiment de time to market, beaucoup d'investisseurs, donc colocateurs ou cloud providers, sont ravis de composer, on va dire comme ça, avec des développeurs qui leur font gagner 18 mois d'avance, puisqu'ils ont déjà obtenu une PTF en France, par exemple, ou ils ont déjà sécurisé un terrain, ou déjà, quelque part, fait les premiers pas auprès de la municipalité pour s'assurer de la bienveillance. Donc, ils ont fait un travail qui est extrêmement précieux pour les investisseurs, et donc ceux-ci sont prêts, on va dire, à rémunérer ce travail qui a été fait en amont, pour rester large. Donc, les deux marchés se rencontrent. Après, d'un côté, les colocateurs ont besoin de s'assurer que techniquement et administrativement, ce qui une nouvelle fois n'est pas simple pour un acteur étranger, le dossier qui leur est présenté est conforme,
il ne dispose pas de red flag, comme disent les Anglais. Donc ça, c'est ce que l'on fera plutôt pour les preneurs. Pour les vendeurs, là, il faut dire qu'ils n'ont par contre pas la compétence technique des preneurs. Donc, et pour certains, même, sont parfois débutants, parce qu'on peut penser à des très, très grands acteurs qui font ça depuis très longtemps en Angleterre et qui sont en train de le déployer, par exemple, en France. Bon, eux ont un certain savoir-faire, ont des équipes qui ont déjà fait plusieurs projets comme ça. Mais il y a une telle appétence pour le data center aujourd'hui qu'on peut trouver des acteurs qui ont juste un terrain bien placé, mais alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un data center. Donc, ces gens-là ont besoin d'être accompagnés techniquement, et c'est là que ViaDC peut leur amener cette compétence et les amener à un niveau qui leur permettra ensuite de rencontrer le marché. Donc, c'est deux approches différentes qui tournent autour à chaque fois du conseil pour développer les projets data center, puisque c'est un petit peu le logo de ViaDC, en sachant qu'on s'arrêtera une nouvelle fois dès qu'on rentrera dans les phases études. Tout à fait. On reviendra ultérieurement sur la partie africaine, Blue Sun, donc Blue Sun DC. On va rappeler tout simplement que, Olivier, tu es un de nos partenaires principaux sur l'événement que l'on organise avec nos partenaires donc belges sur Casablanca, hein, qui aura lieu le 13 juin. Voilà, avec un stand de Blue Sun DC. Voilà, avec le forum Data Center Afrique. Donc, on aura le plaisir d'en reparler et d'une manière ample. Donc, je voudrais juste revenir sur un point. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les data centers évoluent en complexité. Quand on commence à parler aujourd'hui de rajouter de l'IA, de faire du HPC, de faire un certain nombre de choses, ça devient beaucoup plus technique sur certains aspects. Les aspects sécuritaires aussi deviennent extrêmement importants, extrêmement sensibles, on le voit. Se cache derrière une vraie problématique qui est celle des compétences, qui n'est pas simple. Or, j'ai l'impression que tu essayes d'apporter ce maillon faible, souvent sur les projets, c'est-à-dire la capacité à réunir les compétences nécessaires. Alors, en amont, sur le périmètre de cette phase de développement, l'idée, et c'est vrai qu'on est déjà en train de se demander, est-ce qu'on ne doit pas rajouter quelques compétences juridiques? Tu parlais de la partie sécurité. Alors, c'est vraiment les prémices, mais on pourra cocher la case, pas seulement connectivité, comme on le fait aujourd'hui de manière assez basique. Il faut qu'un terrain, pour être qualifié, soit facilement connectable, qu'il n'y ait pas besoin d'investir beaucoup pour avoir les deux ou les trois connexions en fibre qui sont requises par la plupart des cloud providers. Mais cette notion aussi de protection avec la proximité de capacité en cryptographie, il y a une start-up qui propose un réseau là-dessus. Donc ça fera partie des sujets. Alors bien sûr, la capacité à récupérer la chaleur fatale, tout ce qui aujourd'hui permet d'améliorer la situation du data center in fine, ça fait partie des compétences que nous devons déployer dans cette phase de développement. Donc on va effectivement recueillir un certain nombre d'experts pour pouvoir amener une solution complète dans cette phase amont. On l'imagine bien. Allez, ma dernière question. On te voit là, tu es avec nous avec le sourire, on sent que tu es engagé. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure qui démarre, c'est ça? Qu'est-ce qui fait, c'est pas les piles vendeurs, qu'est-ce qui fait tourner Olivier Labbé aujourd'hui? Alors c'est vrai que là je suis dans une phase où on a besoin d'énergie, parce que créer deux sociétés, ça nécessite beaucoup. Voilà, tous ceux qui ont créé des entreprises me comprendront, il n'y a rien qui est simple. Alors j'ai la chance quand même, petit bémol, de ne pas partir de zéro. C'est-à-dire que bon, pour la partie Blue Sun, c'est une acquisition, donc les sociétés continuent à tourner. Il va falloir par contre que j'explique au marché que finalement, il n'y a que des bons côtés au fait d'avoir deux ingénieries motivées par l'Afrique et qui vont venir succéder à Capingélec, mais j'ai quand même une société qui est lancée. ViaDC, c'est clairement une création, mais je ne pars pas de zéro, une nouvelle fois. Donc, même si j'ai deux sociétés à développer, deux sociétés nouvelles à développer, je considère que je pars lancer. Donc c'est quelque chose qui est un gros plus. Mais écoute, plaisir, Olivier, on aura le plaisir de suivre sur cette nouvelle aventure, et tu sais que nous serons toujours là pour t'accompagner également. Merci Olivier. À très bientôt. Au revoir.